La crise gâche même la fête nationale en Grèce. À Salonique, la parade militaire s'est résumée à un mini-défilé. La foule de manifestants ne pouvant être contenue par les forces de l'ordre, seul un régiment a réussi à se frayer un passage. Le président grec a dû abandonner la tribune officielle sur laquelle pleuvaient des bouteilles d'eau et des œufs. À Athènes, l'orchestre municipal a affiché son deuil symbolique en accrochant des rubans noirs aux instruments. La fête nationale est surnommée le jour du non en raison de la résistance grecque aux troupes fascistes et nazies. Nous disons une nouvelle fois non à tous ceux qui veulent voler notre pays, les Allemands et les autres, explique donc cette manifestante. Non, c'est notre dernier mot. Une partie des Grecs résiste maintenant à la rigueur exigée par l'Union européenne et le FMI, et cela tourne mal, y compris le jour de la fête nationale.